Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, bah ça va, je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Try All Rentrée parce que ça y est, la rentrée est enfin là. Quand moi, je vous posterai cette vidéo, peut-être que vous avez repris l'école depuis une ou deux semaines ou alors le travail. Moi, je reprends au mois d'octobre et je suis pressée. Tout ce que je vais vous présenter vient de chez Boohoo, je vous listerai tout en barre d'infos. Si je le fais pas, c'est parce que ce sont des anciennes collections de chez Bershka, Pull&Bear, New Look, etc., etc. Dans tous les cas, vous saurez tout dans quelques instants. C'est parti! Alors pour cette tenue je porte un top bleu avec un nœud qu'on attache autour de la taille. Moi je préfère attacher le nœud dans le dos parce que comme vous allez le voir il y a un dos nu super joli, super classe. N'est-il pas beau, n'est-il pas classe, sérieusement les filles, moi j'adore. Pour cette deuxième tenue, je porte un t-shirt blanc avec des manches tombantes, des épaules dénudées qui sont rattachées à des bretelles. Dans le dos, on va avoir des petites bretelles croisées, super jolies. Il est simple, vous pouvez le mettre avec un jean, franchement ça va avec tout et c'est assez cool parce que vous pouvez mettre un jean, des baskets, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête pour le porter. Alors on arrête tout ce qu'on fait et on regarde ce top sérieusement, il est pas trop classe avec les petits détails sur les manches et tout, j'aime trop ce détail là, ça lui donne cet effet classe. On a un petit nœud qui va venir fermer le top, si on le ferme pas bah clairement on peut pas le porter. Hein. Il y a un gros décolleté, vous pouvez le régler mais c'est un petit peu galère, ça aurait été bien qu'il soit moins imposant. Mais sinon c'est une très belle pièce à porter tous les jours aussi avec un jean, voilà. C'est trop beau, vous pouvez le porter avec un jean, une jupe, des talons, des bottes, des baskets, comme vous voulez, ça dépend de vous et de votre style. Cette tenue elle est beaucoup plus sexy, faut se le dire, c'est une tenue je pense qui est cool à porter lors d'un date avec votre copain, restaurant entre filles, peut-être boîte, comme vous voulez, enfin boîte, oui et non parce que vous n'allez pas porter une cape en boîte, je pense pas. Mais c'est une super belle tenue. Alors je porte un body rouge à dentelle et comme vous le voyez, on ne voit pas à travers, il est opaque et ça c'est top. Si jamais vous l'achetez qu'il est trop grand, sachez qu'il y a des bretelles réajustables. Hein, donc vous pouvez toujours le remonter, l'ajuster comme vous le voulez. Et je porte une jupe noire patineuse que j'aime beaucoup. Elle est super belle, j'aime trop les jupes patineuses, je trouve ça trop beau. Généralement je les porte avec des bottines noires, on peut aussi les porter avec des baskets, hein. Après c'est moi qui aime les bottines, ça dépendra de vous et de votre style. Et je me suis acheté un manteau avec une coupe blazer, vous le savez pas mais j'ai plus de blazer que de manteau, c'est incroyable, j'aime trop ça les blazers. Et ce manteau est juste magnifique. Peu importe ce que vous mettez en dessous, j'ai l'impression avec ce genre de manteau, on reste toujours classe, on perd pas de son style, on peut mettre ce qu'on veut. Le style est toujours là! J'adore ces manches évasées, elles sont trop belles. Je me suis enfin acheté une robe blazer, ça fait un moment que j'en voulais une, donc la voici. Elle est juste trop belle avec ses petits boutons dorés, les petites manches évasées, elle est noire et blanche quadrillée. Moi je dis, c'est le top pour un date. Ouais, c'est vraiment le top. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo try haul. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas des tenues qu'on met forcément tous les jours. Ça dépend des styles, des occasions et tout, mais ce sont des pièces que moi bah, j'ai kiffé et que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire quel est votre style de vêtements, quelles sont les tenues, les pièces que vous avez achetées pour la rentrée, qu'est-ce que vous aimez porter à la rentrée, en automne et tout.
N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. En tout cas, je vous laisse sur cette note positive. On se retrouve à la semaine prochaine. Bye!